10 ans déjà et de nombreux acquis pour le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole à FERCA. Des acquis notamment dans la génération de technologies à travers la recherche agronomique appliquée, dans le transfert et la diffusion des technologies par les conseillers de vulgarisation agricole. À l'heure du bilan, beaucoup a été fait. Plus de 44 milliards de francs CFA mobilisés à fin 2012 à travers des cotisations professionnelles. Environ 400 projets réalisés, 18 filières sont concernées. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, le soulignera. La célébration des 10 ans du FIRCA est le moment de réaffirmer les objectifs visés avec le fonds, à savoir accroître la production, améliorer la productivité et les revenus des producteurs, professionnaliser les filières agricoles. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est dit convaincu que cette option est un facteur de l'émergence des secteurs agricoles équilibrés et compétitifs. Le but ultime de l'action gouvernementale dans le secteur agricole est notamment de mettre en place une agriculture rentable et capable de procurer aux producteurs des revenus substantiels et durables. Une agriculture maîtrisée par des producteurs formés, organisés et jouant pleinement leur rôle auprès de l'État dans les orientations de développement. Une agriculture organisée en filière, maîtrisant l'ensemble des chaînes de valeur. FIRCA, la structure a réuni à l'occasion de ses 10 ans et dans le cadre d'une exposition les différents bénéficiaires de ces actions, tous ensemble, pour une agriculture ivoirienne encore plus forte.